Je m'appelle Mamadou Kone, j'ai 12 ans et je viens de Fendla. Je voyais tout le temps les femmes assises sans savoir ce qu'elles faisaient. Je me suis alors rapproché et j'ai vu une femme compter de l'argent et une autre compter des pierres. J'ai alors demandé à la femme pourquoi elle compte des pierres. Elle m'a répondu que chaque pierre représente une semaine de cotisation de leur tontine. La dame avait 6 pierres. Cela représente donc 6 semaines de cotisation. Les femmes utilisaient des pierres car elles ne sont pas instruites. J'aurais aimé les aider, mais je ne savais ni lire ni écrire. Quand le projet de scolarisation accélérée est venu dans mon village, mon père m'a inscrit. En phase langue, c'était un petit qui avait vraiment, qui maîtrisait beaucoup les lettres. Et son écriture aussi était beaucoup plus maîtrisée. Grâce au projet, j'ai pu lire et écrire en bambara et en français et aussi faire des calculs. 3 mois après mon inscription au centre, je suis revenu aider les femmes à mettre par écrit leur compte. On utilisait des pierres car nous ne sommes pas instruites. Mais maintenant, Madou nous aide beaucoup. Il écrit nos comptes et nous évite les erreurs. À l'issue de la phase finale même, l'évaluation finale, il a eu 9,36 de moyenne et qui lui a permis d'être transféré à l'école des Ambou. Mon père m'a acheté un vélo pour m'aider à aller à l'école. Chaque matin, je parcours 45 minutes pour aller à l'école et revenir le soir. J'aime l'école et je souhaite poursuivre mes études pour être président de la République dans l'avenir.